Nous allons réviser les graphèmes des premières semaines de classe. Je dis graphème parce que, vous le savez en français, ce n'est pas toujours juste une lettre qui permet d'écrire et de lire un son. Parfois, pour un son, on a deux lettres, comme OU pour le OU, ou bien une lettre avec un petit signe, comme E, accent aigu, pour le E. Si l'enfant se met dans la tête que E, ça va se lire E, eh bien il est embrouillé quand il verra le E avec le petit accent. Donc on parle bien de graphème. Pour un graphème, il y a un son à connaître. Et pour aider les enfants à les mémoriser, nous choisissons des mots référents. Ainsi, pour le A, nous avons choisi le mot avion. C'est facile de couper A dans avion. Et ça permet de mémoriser. A. 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 A de avion. E. 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 De petit. I. 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 De lit. O. 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 O de orange. U. U. De rue. Ouh. 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 De loup. Voilà, tu viens de réviser tous les graphèmes qui correspondent à des sons voyelles de la première période. Voyelles parce qu'elles donnent de la voix. A, E, I, O, U, E, OU. Elles sonnent toutes seules. Elles font du son toutes seules. Il te reste à réviser dans la deuxième vidéo tous les graphèmes qui encodent des sons consonnes.